Donc voilà, cette fois-ci, je vais jouer un méchant justement pour, comme je le disais, pour montrer un petit peu la différence. J'ai choisi Sephiroth parce que je l'aime bien, voilà, j'aime bien Sephiroth. Je trouve que c'est un bon personnage une fois qu'on a joué à Crisis Core. Donc là, je l'ai en tenue alternative par contre, hein, pour ceux qui se demandent, parce que sa tenue originale, il est habillé normalement, quoi. Il me semble qu'en tenue alternative, je sais pas s'il a les mêmes attaques. Ou alors c'est juste que j'ai choisi un set différent parce que voilà, les personnages ont tous les deux, enfin les personnages ont plusieurs sets, donc plusieurs sets d'attaques, et vous pouvez d'ailleurs modifier leurs attaques. Donc là voilà, il utilise sa materia pour faire un mime, enfin un mème, non c'est un mime, ouais, ouais, il utilise un mime de, je suis perdu maintenant avec Mufun, avec ses mèmes à la queue. Il utilise un mème pour du coup copier mon, ma jauge de dégâts spécial. Donc là, combat toujours un peu plus long comme vous avez pu le voir. Là j'utilise directement mes attaques qui ne viennent pas à bout. Voilà, bon là je l'ai fait trop tard. Donc je trouve sympa aussi d'ailleurs, on peut courir sur les murs, je vous ai peut-être pas montré ça plus tôt. Voilà, le bon, j'ai claqué l'Omni Slash. Le chevalier oignon qui est très très chiant à combattre parce qu'il est, très rapide. L'octofrappe, voilà, on le défonce. Là cette fois-ci c'est moi qui utilise le mime pour récupérer sa force de frappe. Du coup je vais sans doute tenter une attaque spéciale. Oui d'ailleurs je profite de cette petite vidéo d'ailleurs pour vous proposer d'aller voir du coup les vidéos que j'ai fait sur Mortal Kombat avec mon ami Price. Si vous les avez déjà vues, j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc là il est en train de tomber comme une merde et je le regardais. Voilà, là j'ai testé directement le flash, c'est parti. On l'a calmé. Je suis monté vers lui. J'attaque. J'ai pas esquivé, tant pis. Donc ouais, vous voyez, franchement il est très rapide. Bon après c'est vrai que comme je disais, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas touché au jeu. Je l'ai repris spécialement pour la chaîne secondaire. Donc là, cette fois-ci, voilà, le Sephiroth qui commence à s'énerver. Je tente une octo-frappe de beaucoup trop loin, évidemment. Les portes de l'enfer, que j'ai toujours pas réussi à faire non plus. Voilà, donc là, je tente... j'ai raté mon quick time. Une parade. Voilà, là, je refais le quick time cette fois-ci. Est-ce que ça passe? Ça passe, coup de grâce directement, on termine le combat. Et voilà, c'est donc encore une fois la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, c'est vraiment des petits trucs sympas qui me permettent de parler avec vous, de vous montrer un petit peu du gameplay, quoi. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dark Sprite Angel sur la chaîne secondaire.